Quotes from the World. Fait psychologique intéressant. Que vous devez absolument connaître. Attraper un bâillement montre de l'empathie. Bâiller en voyant quelqu'un d'autre bâiller est un phénomène courant, même s'il ne se sent pas fatigué ni somnolent. Une théorie sur sa contagiosité est que les gens l'attrapent pour montrer de l'empathie. Les larmes indiquent la raison de ses pleurs. Si la première larme est sortie de l'œil droit, la personne pleure des larmes de joie. Sinon, la personne pleure des larmes de douleur. Une personne a encore 7 minutes d'activité cérébrale au moment de mourir. Dans ces moments, ils voient leurs souvenirs dans une séquence onirique. La longueur de votre langue en dit long sur votre curiosité sexuelle. Si vous pouviez vous lécher les coudes, cela signifie que vous êtes plus disposé et ouvert à essayer de nouvelles expériences. La façon dont vous vous habillez a un lien avec votre humeur. Ce n'est pas seulement dans la couleur que vous choisissez de porter. Bien s'habiller peut également vous aider à rester stable et heureux. Une seule chose négative ne peut être compensée que par au moins 5 choses positives. Votre cerveau se souvient du mal plutôt que du bien. Un effet de cette chose appelée biais de négativité. C'est aussi la raison pour laquelle vous continuez à vous attarder sur la façon dont un collègue a insulté votre tenue malgré le compliment de votre client. Les aliments préparés par quelqu'un d'autre ont meilleur goût que votre propre cuisine, même s'ils ont la même recette. Une étude a révélé que préparer un repas nécessite de rester debout si longtemps autour de lui qu'il semble déjà moins attrayant à l'heure du repas. Par conséquent, votre satisfaction diminue par la suite. Vous avez tendance à ne croire que ce que vous voulez croire, sans le vouloir. Le cerveau humain est également captif du biais de confirmation qui oblige les gens à rendre des faits pour confirmer quelque peu ce qu'ils croient déjà. Par exemple, votre grand-père changeant ses opinions politiques a peu ou pas de chance malgré vos tentatives de balancement. Vos souvenirs sont faciles à manipuler. En l'espace de 3 heures, vous pourriez être convaincu à tort que vous avez commis un crime pendant votre adolescence. Penser dans une autre langue rend votre décision plus rationnelle. Vous avez tendance à être moins exigeant en matière d'argent dans votre langue maternelle. En d'autres termes, la langue que vous utilisez affecte vos décisions. Demandez-vais-je est plus motivant que de dire je le ferai. Une étude de l'Université de l'Illinois a suggéré que se poser des questions liées aux objectifs pourrait vous motiver davantage que de le déclarer vrai. Une règle trop stricte ne ferait que vous pousser à en briser davantage. Les psychologues ont découvert comment ce phénomène de réactance affecte la perception des règles par les gens. Non seulement voudraient-ils enfreindre une certaine règle qui leur enlève une certaine liberté. Ils romperaient également plus loin de cela. Vos rêves ont plus de sens que vos pensées conscientes. Parmi tous les rêves que vous avez EOUS, 70% d'entre eux contiennent des messages secrets. Cela signifie qu'ils ont plus d'importance et de valeur que les choses que vous pensez dans votre conscience. Avoir un plan B ne ferait que rendre le plan A moins susceptible de fonctionner. L'Université de Pennsylvanie a organisé une série d'expériences qui ont révélé que les volontaires qui ont préparé un plan de secours avant de commencer une tâche ont fait moins bien que ceux qui ne l'ont pas fait. L'équipe Plan B s'est rendue compte que le fait d'avoir des options faisait chuter leur motivation à réussir du premier coup. La peur est un sentiment vraiment agréable si vous n'êtes pas vraiment en danger. Il y a des gens qui aiment les films d'horreur et d'autres qui ne l'aiment pas, et la différence pourrait être dans leurs hormones. De telles activités vous donnent de l'adrénaline, de la dopamine et des endorphines à partir d'une réponse de combat ou de fuite. Vous avez tendance à vous soucier davantage d'une seule personne que de tragédies massives. Les psychologues pensent que même si vous aideriez volontiers une personne, vous en concluriez que votre petite part ne peut pas faire grand-chose lorsqu'un problème semble trop gros. Vous préfériez anticiper quelque chose de mauvais plutôt que de ne pas savoir à quoi vous attendre. Les chercheurs ont découvert que quelque chose de négatif qui est sur le point de se produire est moins stressant à saisir que de ne pas savoir comment les choses vont se terminer. La partie de votre cerveau qui prédit les conséquences devient plus active lorsque vous ne savez pas à quoi vous attendre. Être testé sur des choses vous aide à mieux vous en souvenir. Quelques faits psychologiques pour les enfants, les tests sont un outil efficace pour apprendre. Une étude a découvert que les informations pouvaient durer plus longtemps dans la mémoire d'une personne testée que lorsqu'elle était uniquement étudiée sans qu'il soit nécessaire de s'en souvenir immédiatement.
Vous êtes obsédé par les choses qui vous manquent. Prenez l'argent par exemple. Le cerveau humain est sensible à la rareté. Il a constamment l'impression qu'il vous manque des choses dont vous avez besoin. Vous êtes constamment à la recherche de visages humains dans des objets inanimés. Cette sensation est appelée pareidolie et les scientifiques pensent qu'elle vient de l'idée que la reconnaissance faciale est une partie importante de la vie sociale. Cela implique que votre cerveau a tendance à trouver un visage là où il n'y en a pas plutôt que d'en manquer un vrai. Vous trouvez toujours un problème. Il est psychologiquement normal que vous trouviez un autre problème après en avoir résolu un. Une recherche a démontré que les volontaires à qui l'on demande de sélectionner des visages générés par ordinateur qui semblent menaçants ont finalement eu recours à des visages qui ne le sont pas. Les gens préfèrent modifier les faits plutôt que de changer leurs opinions sur les gens. Autant que la dissonance cognitive est normale, vous détestez quand la réalité contredit vos croyances. Cela explique pourquoi vous sapez les méfaits d'un être cher malgré leur gravité. Les attentes élevées incitent les gens à s'y élever tandis que les attentes faibles n'ont pas de tels effets. L'effet Pygmalion contient l'explication de la raison pour laquelle vous faites mieux quand d'autres personnes croient que vous le feriez. Au contraire, vous ne pourriez pas bien faire quand quelqu'un s'attend à ce que vous échouiez.